Salut tout le monde, c'est Second. Aujourd'hui, on se retrouve pour une 14e épisode, oui, 14e, ouais, 14e épisode de Europa Universalis 4 avec la Moscovie. Dernier épisode, on avait commencé à faire une revendication sur Tioumine de l'Ouzbékistan pour leur déclarer la guerre. Ils sont en guerre contre les Canadiens de Shanghai, alliés avec Karakoyunlu qui ont l'ordre d'or, comme, mais ils sont aussi en guerre contre Kazan. Donc, on risque pas trop que Karakoyunlu rentre en guerre. Malgré que. Oh non. Après ce qu'il soit ici. Kazan est en guerre contre qui d'autre? Horde d'or et. Bah, ok, ouais, c'est bon. Dans le fond, il n'y a pas de siège. Horde d'or et Nogai, what? Et vassal de Karakoyunlu. Mais c'est Nogai qui. Oh, what? Ces deux-là sont en guerre, mais ils ont aucune relation entre eux. Puis lui, Ordor. Ah, probablement Karakoyunlu a déclaré la guerre à Ordor, puis il a fait un vassal. Puis là, il était en guerre. Ok, c'est bon. Mais Karakoyunlu était pas. Non, ok, ils viennent plus dès qu'ils sont. Ils ont fait la paix, c'est bon. Hop, j'ai oublié de partir le timer, c'est pas si grave que ça. Oh oui, c'est vrai, on peut construire, on s'en fout. On voulait construire des armureries ou des postes d'impôt. Je pense qu'on se fait assez d'argent, mais bon, ici on peut en faire un. À Moscou, ça nous donne 2 plus 2,60, donc très très intéressant. Donc, on se fait beaucoup d'argent. Prochain conseiller qui sera mort, on va probablement le mettre pour un plus 2, comme si on gagne plus de points. Oh, l'Écosse qui est en train de prendre des territoires. Leinster qui est en train de. Donc, probablement en guerre contre Leinster, puis Écosse, la Hanse, Munster, Cologne, Mayence, ok, tout ça. Probablement en guerre avec Italie, avec qui? Brabant, ok, ça, c'est Brabant qui est en guerre contre tout ça. Bientôt nos provinces nationales, ben les blancs, la seule qui nous reste, ben y a Pélé, mais je veux dire, si c'est pas si grave, là. Je pense que c'est quoi, ça doit pas être tant de surexpansion que ça. Ah, quand même, 12%. Bon, c'est pas si grave, on peut prendre au moins ces quatre territoires-là. Ah, y a un territoire ici. Bon, on va l'envoyer là. Finalement, on n'aura peut-être pas besoin de déclarer la guerre, mais ça, on va le faire quand même, là. Fortifier, Toura. Oh, on peut faire un autre bâtiment. Marché, quai, armurerie. Faire une ici. On est gros. J'aime ça. Est-ce qu'on peut bientôt augmenter de technologie? Il nous manque plus 4 technologies pour arriver avec la Russie. Donc on ne soit plus la Moscovie. Je pense qu'on va arrêter quand on sera rendu avec la Russie. On doit être rendu à 20 épisodes. Donc c'est la plus longue série que je ferai. Que j'aurais fait. On n'a plus de mission. Donc, fortifier Pelim. Amélioration avec. Kursk, c'est ici, genre. Oh non, c'est ici. Je suis en trêve. Trêve avec Crane. Mais quand il est dans coalition maintenant. Donc, je pourrais leur déclarer la guerre. Ouais, la Pologne est pas très bien. Hein. Disons que je pense que je suis pas mal tout seul. À partir de maintenant. Ben, j'ai les Ottomans, je veux dire, mais. Parfait. Bon, est-ce qu'on leur déclare la guerre tout de suite? Ouais, pourquoi pas. Ils sont en guerre. Ils gagnent la guerre. Karakoyunlu. Karakoyunlu sont pas en guerre. Attends, on va aller voir.
Karakoyono, déjà, sont 6. Eux autres aussi, on est 8, donc on est vraiment en avance. C'est parfait. Armée. Ouzbékistan. Ouzbékistan. Ils ont 11 000 hommes, mais ils peuvent en avoir jusqu'à 23 000. Donc la moitié des hommes, peut-être. Et Karakoyunus, non, 14 000, mais ils peuvent en avoir 37 000. Oh merde. Je vais voir combien d'effectifs. Ils ont 31 000 d'effectifs et 24 000. Non, t'as 50 000. Wow, je pense qu'on va être correct. On aurait. Bon, bah, déjà, faut attendre qu'ils reviennent, mais. Ah, vous allez là, puis vous. Vous allez là. Ils n'ont plus de passage. Bon, c'est sûr que eux autres peuvent toujours laisser le passage à Karakoyunlu. Mais s'ils sont pas capables de passer dans 15 ans, ça serait parfait. Allez juste vous occuper de ça. Bon, ici. Les rebelles de Livonie sont ici. Sur notre territoire, comment ils osent-ils? Hop. On peut avoir une idée. Bof, c'est quoi que. Ça, c'est des idées diplomatiques. J'ai pas besoin vraiment des diplomaties, mais c'est quoi après? Ouais, c'est ça, c'est quand même. C'est plus intéressant. Puis on est en retard en plus. Si on serait en avance, là, peut-être que. Il nous manque pas tant de points, il nous manque 50 points. Hop, on peut construire des bâtiments encore. Terrain d'entraînement, on pourrait essayer ça. Coup de régiment locaux. Wow, ça c'est intéressant. Armurerie, c'est coup de régiment locaux, ou les deux. Dans le fond, c'est la même chose. Mais lui coûte plus cher. Parfait, on arrive. Toura dessus beaucoup, moi pas tant que ça, puis là c'est l'hiver. On n'a plus rien sacrimé, c'est pas si pire. Oh, vas-y, on déclare la guerre tout de suite. Déclare la guerre. Ah oh, merde, c'est vrai, ils sont dans notre coalition contre nous. Kazan, est-ce que je peux leur déclarer la guerre? Eux aussi, ils sont dans la coalition contre nous. Crimée. Ils sont dans la coalition contre nous. Ukraine. Ukraine, je pourrais y prendre. Ukraine ou Suède. Ah, si je déclare la guerre à la Suède, ce sera pas si fait. Ah, mais eux sont dans la coalition contre nous. Je pense pas que ça devrait déclarer que la Suède devrait prendre le pouvoir, puis ça ferait que toute la coalition viendrait. Attends, on va compter les provinces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est vrai qu'ils n'en ont pas tant. Mais la Pologne non plus, ils n'en ont pas tant. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Donc il y a juste 6 provinces, donc ça m'étonnerait. Mais bon, je perdrais. Ça faudrait que je l'enlève. Genre, bah, on va l'enlever tout de suite. Dynastie. Oh, ça peut être intéressant. Donc là, je viens de réclamer le trône parce que là, on a un mariage royal. Et leur légitimité est très très basse. C'est, je pense que c'est ça, hein. Je peux leur déclarer la guerre, puis ben, un des affaires, ça pourrait être, je peux avoir une union personnelle avec eux. Je pense à Toscane. Aragon, tu vois, ils ont une union personnelle avec Espagne. Donc dans le fond, c'est un peu comme un vassal, mais ça prend plus de temps, disons, pour se faire annexer. Donc je pense qu'on pourrait essayer ça.
Donc, on va les envoyer là, à la place. Ah merde, ils sont rentrés dans la coalition contre nous autres. Donc, on peut pas leur déclarer la guerre. Ouais, eux, ça a dû leur fâcher, ça. Ouais, revendiquer le trône. Moins 100. C'est quels les territoires avec. Bon, je pense qu'on peut les mettre. Vous allez. Voilà. Et vous, vous allez aller à. Ici, à Kasimov. Fortifier Pelim, je peux pas tout de suite parce qu'il y a une construction. On peut en faire une autre armurerie ici. Il y aurait, mais dans le fond c'est parce qu'ils sont tous. Attends, il y a quelqu'un qui peut. Oh merde, c'est vrai, j'ai oublié ça. Et bon, la Pologne est un peu en marde. Mais bon, je voudrais pas perdre quand même comme ça, comme allié là. Ils sont quand même assez forts. Bah, pas maintenant là, mais. Non, je suis en avance. Bon, la Pologne, je sais pas pourquoi elle a cassé notre alliance entre nous autres. Bon, j'ai gardé quand même le mariage royal pour l'instant. Mais de toute façon, on va l'enlever. Problème avec dans la construction navale, un accroissement dans les commandes de navires conduit à une augmentation des besoins et des ressources nécessaires, ce qui augmente les délais et les tarifs. Personne n'ose nous demander de payer plus pour ces navires, mais leur construction demande plus de temps. Donc vitesse de construction plus 500 pendant 5, plus 50%. Livland. Ben retournez là, puis restez là. Parce que là, il y a pas mal de révoltes là. Il me semble qu'il y a un max de points. Mais pour l'instant, c'est pas si grave que ça. On perd de l'argent? Wow, 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 wow! Ouais, ça doit être ça. L'armée a coûté plus en entretien. Crimée a quitté. Mais c'est pas ceux-là vraiment que j'avais besoin. Ah, tu vois, on fait ça. C'était ici. C'est les troupes qui devaient régir un peu. Je devrais apprendre des doctrines militaires. Prochaine, c'est diplomatique ou technologie. Non, c'est administratif. Donc, prochaine technologie administrative, je peux avoir une autre idée. Puis je vais prendre une idée militaire. Hop. Continue de construire des armureries. Je pense qu'on va économiser pour une ambassade. Ça coûte 1 000 $. Donc, c'est une coupe de mois, c'est 100 mois. Donc, peut-être prochaine vidéo. Et on va économiser pour ça parce que ça, c'est assez. C'est très bon. Ça nous donne un diplomate de plus. Puis je sais pas c'est quoi l'autre. On a toujours pas de mission, mais bon, il nous donne pas des missions très très intéressantes. Bâtiment, bâtiment. Coup de transformation, mais ça, je m'en fous un peu. Fort frontalier, ça peut être intéressant. Manufacture aussi. Mais l'ambassade, c'est tout le temps l'affaire la plus intéressante. Je préfère en gagner. En religion. Ah, ça c'est intéressant. Narva et Ozel prend juste 166 mois maintenant. Hop, on va envoyer pour Narva. Ouais. Donc, dans le fond, dans notre ambassade, juste avant. Un nouveau monarque.
Les revendications, Suède, bon. On va se calmer. C'est pourquoi ils nous aiment pas. Expansion agressive. Karakoyunlu contre Kazan. Je pense qu'on pourrait améliorer nos relations avec Ouzbékistan. Parce que ça favorise qui quitte la coalition contre nous. J'aurais pu faire ça contre l'Ukraine ou la Suède aussi. Mais bon. Dès que ça finit en 97, bientôt. J'ai deux territoires de plus, ouais. On aura plus de vassaux. On pourra peut-être prendre l'Ukraine en tant que. Ben, avoir un autre allié. Ok, ouais. Mais justement, il monte haut, ça, je pense que c'est la première fois que j'y vois aussi haut que ça dans le nord. Ils ont toujours pas pris Athènes. Ça, c'est rare. Ils ont pas pris ça, mais ils sont hauts aussi. La technologie militaire. Ok, je pensais que le jeu avait lagué. Bon. J'ai combien d'années d'avance? 3 ans. Wow. Doit commencer à monter à 7 eux autres. Ben ici doivent être à 9. Ouais, on pourrait la prendre. Plus de choc et forteresse en étoile. Des meilleures forteresses. Je pense que ça va finir à peu près vers la fin de la vidéo ça. Puis Autriche encore comme Saint-Empereur. Bohème qui monte aussi en haut. J'ai l'impression qu'ils ont pris du territoire de Brandebourg, mais je suis pas sûr. Brandebourg, c'est expand. Oh, Brabant, ils ont perdu ce territoire là, je pense. La guerre, ça a fini sur un statu quo. Oh, les autres guerres qu'il y a. Il y a l'air d'en avoir pas mal, mais on va aller ici. Relations, guerre actuelle. Gagne pas mal l'Ouzbékistan, l'Autriche, oui. La France qui est en guerre contre Milan, qui a gagné pas mal. L'Éthiopie contre Mamelouk. Les Mamelouks sont comment? Je sais pas, les voir. Ouah, c'est gros. Alger, qui rentre dans le Maroc, mais je pense qu'ils étaient comme ça depuis un bout. Je sais pas, ils ont probablement commencé la colonisation, eux autres. L'Espagne, puis le Portugal, puis la. Peut-être pas la France, là. L'Angleterre, je suis pas sûr. Ok, on va prendre un meilleur conseiller, probablement cette fois-ci. Distance. Bon, j'ai fermé. On revient. Voilà. Puissance d'espionnage. Bon, ils sont pas très intéressants pour l'instant. Y a-t-il des. On reçoit de l'argent à 100 droits de douane. Mais pour l'instant, on n'a pas. On va essayer de voir. Je pense que c'est la première fois que j'essaie ça vraiment. Ah, diplomatie qu'on peut l'avoir. On n'a pas de. Le collègue de droit de douane. On va voir ça. Ouais, ça fait rien. Bon, tant pis. On va le changer, je pense. C'est parce qu'on n'a pas besoin de la colonisation. Ah, merde. On peut encore le faire, je pense. Ouais. Ah! Et voilà! Je savais. Bon. Est-ce qu'on a trop de troupes? Oui, on a deux. On va enlever ces deux troupes-là.
On garde les canons et la cavalerie. C'est d'autre que des révoltes à Narva. Bah attends, j'ai envoyé des hommes ici. Hop. Envoie-moi ça, un canon, puis une cavalerie. Hop, prends ces hommes-là. Envoie-moi ceux-là. S'ils ont de la nutrition, parce que c'est l'hiver. Donc, avec qui qu'on pourrait faire une alliance? Peut-être avec eux. On pourrait essayer avec le Danemark. Norvège. Il y aurait peut-être l'Autriche. Danemark, ce serait plus intéressant pour mes conquêtes ici, mais j'ai pas. Je voudrais que j'en prenne comme des. Je pourrais prendre des vassaux. Mais bon. Ok, j'ai perdu des troupes. Je sais pas. Je pense qu'on va garder notre relation pour l'instant. On est au max 12 hommes. Et on fait moins d'argent. Je pense qu'on peut baisser. Hop, on va baisser notre. Ça va accélérer un peu nos choses. On a trop de. On a plus que 2 ans. On a 2 ans d'avance, mais nos voisins, ouais, on va les prendre. Là, on a combien d'avance? Tiens, la 9, ça a l'air d'être intéressant. Manœuvre améliorée, choc de infanterie, feu de cavalerie, des nouveaux canons, Ok, c'est bon. Mais là, j'ai 15 ans d'avance. Encore 300 points. Hop, et voilà. Donc, on finit la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Veuillez laisser un pouce vert si vous l'avez aimé. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous me supportez. Faut aussi vous abonner à ma chaîne pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir. N'hésitez pas à partager avec vos amis, puis tout, si vous avez aimé la vidéo. Puis ça fait une communauté plus grande, puis ça c'est intéressant. Puissance plus 5. Ça nous aime moins ou ça nous aime plus. Bon, on s'en fout. On prend plus de puissance. J'ai pas lu c'était quoi. Donc là, on a combien de puissance ici? 15, ouais, non 50. Donc, là, on se fait encore plus d'argent. Money, money, money. Et c'est ça. Donc, je vous dis à la prochaine.